I'm turning to the earth.
Mercredi 2 mars, ça fait pas mal de temps que je vous ai pas parlé, donc bienvenue dans ce nouveau studio vlog. Donc oui, pas mal de temps parce que j'étais en vacances, du je sais plus 12, 13 au 28 février. Et la première semaine on a fait des travaux et la deuxième semaine j'avais ma fille à la maison. J'avais à la base prévu de travailler en ayant ma fille avec moi. Il y a un ballon là, elle peut jouer dans l'atelier pendant que je travaille, elle prend un petit peu d'autonomie, elle me fait même son travaille elle aussi quand elle est avec moi. Elle peint, elle dessine. J'ai testé un peu de matériel. Je lui ai fait les pastels à l'huile la semaine dernière. Elle demande à faire son travail elle aussi à l'atelier. Donc c'est cool comme ça. Parfois je peux prendre un peu de temps genre pour faire des colis, des choses pas qui me demandent pas une concentration de ouf parce qu'elle n'arrête pas de me raconter des choses. Donc c'est compliqué. Donc j'ai repris le travail avant-hier. J'avoue que j'ai du mal. Alors pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû le voir, j'ai une grosse baisse de régime depuis janvier. Alors j'ai fait des choses, hein, mais j'ai du mal à avoir l'envie de travailler. Ça vient peut-être du fait que cette période est molle après les fêtes, souvent, et aussi parce que j'ai pas de projet. De gros projets comme un livre ou de choses comme ça. Bon, certes, ça fait très longtemps que j'en ai pas eu. Mais c'est vrai que quand j'ai des contrats ou des demandes de stock de boutique ou voilà ce genre de choses, ben ça me motive plus parce que j'ai pas le choix, il faut que je fasse les choses, donc je me plonge dedans sans trop de difficultés. Là, j'ai pas de demande de stock parce que j'avais fait des réassorts assez récemment et que c'est pas la période où c'est utile de faire vraiment beaucoup de réassorts, donc on attend un petit peu. Et puis, bah, j'ai pas de contrat. J'avais un petit contrat presse, mais c'était avant les vacances. J'ai mon illustration pour le puzzle, mais c'était qu'une illustration, donc ça allait vite. Voilà, en fait, je pense que ceci explique cela. Je pense que quand le train-train sera revenu, la motivation reviendra aussi. Et je pense aussi que j'ai besoin de nouveautés. Je pense avoir atteint un petit peu le bout des séries que j'avais en cours, que ce soit pour les broches, les coupelles, les rondins, tout ça. Je pense que j'ai atteint le bout, j'ai creusé la chose jusqu'au bout. Donc il y a certaines choses que je vais peut-être arrêter. Ça tombe bien, j'ai plus beaucoup de broches. Il me reste, si je regarde, 3-4 broches Frida, quelques fioles, et c'est tout. Il n'y a plus grand chose en boutique à ce niveau-là. Et en boucle d'oreille, j'ai quelques pièces aussi. Mais pareil, j'ai envie de nouveautés. J'ai envie de choses qui me changent un petit peu d'air. Donc j'ai des idées. J'ai noté plein de choses. J'ai plein d'idées. Donc je vais prendre le temps pour faire ça. Là, profiter de ce temps un petit peu mort pour explorer de nouvelles choses. Hier, j'ai fait une modif. Enfin, plusieurs modifs sur mon illustration puzzle. Celle que je vous avais montrée, je vous la remets là. Il y a le petit hibou qui me chafouinait. En fait, ce hibou, je trouvais qu'il détonnait beaucoup avec le reste. Et je sais pas, il y a un truc qui m'allait pas. Donc au départ, je m'étais dit, bon, je vais le refaire. Ensuite, j'ai finalement envoyé l'illustration telle qu'elle à mon éditrice. En me disant, ne te fie pas à ce que toi tu vois, parce qu'en général, ce qui ne me plaît pas... dérange pas les gens, enfin ça, personne le voit quoi, il n'y a que moi qui bloque sur un truc. Donc je me suis dit voilà, ne t'écoute pas, envoie. Et puis finalement quelques jours après j'ai dit à Célia, oui parce que je vous ai pas dit, le puzzle va être édité par la maison d'éditrice de Célia Melesville avec qui j'ai préparé mon jeu de tarot. Voilà. Mais c'est une autre, c'est quelque chose qui sera à part de Wild Edition, ce sera un truc qui sera à part. Sentirait plus en temps voulu. Donc oui, pour revenir à notre hibou, bah j'ai décidé finalement de peut-être le changer. Donc je lui ai demandé hier si c'était toujours temps, si je pouvais toujours le faire, si elle avait rien envoyé à l'impression et tout.
Bon, je me doutais qu'il y avait encore le temps, donc je l'ai changé. Donc j'ai fait un hibou. Je vous mettrai une image peut-être un peu mieux. Voilà, j'ai fait un hibou qui, je trouve, s'intègre bien mieux. L'autre, il y avait trop de traits à l'encre. Je sais pas, je trouvais qu'il était trop... Je sais pas, il sortait du lot. J'aimais pas trop. Et on s'est aussi dit qu'on allait en profiter pour ajouter des petits shampoings. Et voilà. Ça rajoute un peu d'éléments, ça casse un petit peu cette zone-là, qui était peut-être un peu vide. Et comme ça, il me plaît bien plus. Aussi, hier, j'ai fait des nouvelles... Enfin, hier, j'ai terminé. Je ne les ai pas toutes fait hier, hein. Je ne suis pas une machine. J'ai terminé des petites coupelles cœur comme ça. Et une comme ça. Je vous ai pas filmé tout ça parce que hier j'avais vraiment pas envie de sortir ma caméra. J'avais pas envie. Donc je m'écoute maintenant quand. Enfin, je le faisais déjà avant, mais là encore plus. Parce que si je force, je m'écœure moi-même des choses. Donc je préfère faire les choses quand j'en ai envie. Aujourd'hui, j'ai des carnets à faire parce que j'ai une autrice qui va sortir je crois que c'est son deuxième roman. Et pour l'occasion, elle a prévu de préparer des petites boxes avec des carnets dedans. Donc elle m'a commandé une quantité de carnets pour glisser dans sa box. Donc voilà, vu qu'elle vient de me régler la facture, là, je vais lui faire ses carnets. Voilà, j'ai aussi envoyé un devis pour une future intervention dans des écoles dans le cadre d'un salon du livre à Bruges, à côté de Bordeaux. Donc je viens d'envoyer mon devis. Ce sera au mois de mai, donc j'aurai le temps de vous en reparler d'ici là. Et puis voilà, écoutez les nouvelles du moment. J'ai bien envie maintenant, vous savez, avant je vous parlais de livres, de lectures, et j'avais un petit peu lâché le morceau parce que j'avais envie de lire pour moi, et puis je sais pas, j'avais plus envie de faire des bilans lecture, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas reprendre les bilans lecture. Mais je vais dans mes vlogs, comme je vous en parlais il y a plusieurs mois, je vais vous parler un petit peu des lectures que j'ai en cours. Alors, pour reprendre ma lecture du moment. En ce moment, je lis La mythomane du Bataclan d'Alexandre Kaufmann. Je passe un super moment avec ce bouquin. Donc, comme son nom l'indique, on va parler d'une femme qui est complètement mytho et qui s'invente une vie autour de la tragédie du Bataclan. Donc on va raconter l'histoire de Florence qui a rejoint l'association Life for Paris en tant qu'amie d'un blessé, en tant qu'elle aussi impactée par cet attentat, parce que étant amie d'un rescapé, ça l'a atteint aussi elle psychologiquement, blablabla. Donc voilà, elle se crée toute une vie autour de ça, et petit à petit on va apprendre que en fait Florence a inventé quasiment toute sa vie, depuis une vingtaine d'années en fait. Et c'est assez aberrant, c'est une histoire vraie. Hein. Alexandre Kaufmann, il a vraiment rencontré les victimes qui ont été flouées par cette femme-là. Il a vraiment eu accès à l'enquête, etc. Donc c'est assez aberrant. Et en lisant le livre, je suis allée voir, chercher des photos sur Google de cette femme-là. À un moment dans le livre, on parle... parce qu'elle rencontre des gens haut placés, elle rencontre des journalistes, elle rencontre des gens du gouvernement, des ministres, des choses comme ça. Elle a vraiment complètement arnaqué son monde. Parce qu'auprès de l'association, elle se fait passer pour une amie d'un rescapé. Et aussi, pour toucher un fonds d'aide aux victimes, et ben, elle se fait passer pour une rescapée. Donc voilà, elle mitonne carrément, mais sur tous les fronts. Et ça se lit super bien, c'est très dynamique, c'est très hyper simple à lire. Je l'ai commencé il y a très peu de temps, j'en suis à la fin. Et bah écoutez, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. En ce moment, je lis beaucoup parce que j'ai arrêté depuis deux mois, depuis bien deux mois, de regarder les séries le soir. Je n'en regarde plus du tout, je préfère passer deux heures avec mon livre et... Ben, ça me convient vachement mieux, parce que les séries j'aime bien, mais j'ai l'impression de perdre mon temps.
J'ai l'impression d'être passive là, et avec mes 400 livres à lire autour de moi, je culpabilise un peu. Enfin, c'est pas que je culpabilise, c'est que je me dis que j'aurais mieux à faire que de rester là à gober devant un écran. Donc avec cette histoire de puzzle, quand j'étais plus jeune, quand j'habitais chez mes parents, j'avais peut-être 2-3 puzzles chez moi, j'en faisais de temps en temps, j'aimais bien passer du temps à ça. Et puis j'ai jamais plus creusé la chose que ça. Et là, le fait d'illustrer le mien, ça m'a donné envie d'en faire. Donc, on en a acheté un premier, qui est celui-là, je vous glisse l'image quelque part, qui est super fun à faire. Moi, avec mon mari, on l'a fait très très vite, ça a été très vite. Et ça m'a donné envie d'en acheter d'autres. Donc depuis, je passe ma vie sur Vinted à trouver des petites pépites. J'essaie de les chercher beaux et pas chers. C'est vraiment mon objectif. Prendre du seconde main, ça a de l'intérêt que si on fait du pas cher. Et je passe mon temps à ça. Donc je vous parlerai aussi un petit peu puzzle dans ces vlogs. Lecture, puzzle et bon travail. Voilà, ce sera un petit peu la nouvelle recette des vlogs de maintenant, pour les temps à venir. Et puis... si ça vous intéresse tant mieux, j'essaierai de vous mettre des timecodes en description. Je ne sais pas si je le ferai à chaque fois, mais j'essaierai de le faire pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par les puzzles ou pas du tout intéressés par la lecture. Voilà.
Salut, on est mercredi 9 et comme d'habitude, c'est la clôture du vlog. Au départ, j'avais prévu de filmer d'autres petits morceaux pour finir la semaine, mais je me suis rappelé qu'il y a toute la partie de mes illustrations sur iPad que je vous avais pas montré dans le vlog précédent, alors que ça avait été filmé à ce moment-là, mais mon vlog précédent était déjà assez long, donc j'avais pas voulu rajouter cette partie-là. Ce qui fait que ça se retrouve dans le vlog d'aujourd'hui. Donc là, on est qu'à 20 minutes, hein. C'est pas non plus foufou, mais voilà, je me suis dit que j'avais pas grand chose d'autre à vous montrer. Que là, je travaille un petit peu sur les nouvelles collections et donc ça sera sûrement pour le prochain vlog. J'ai envie de vous préparer des nouvelles pièces, comme je vous disais, d'apporter un petit peu de nouveautés. Donc ce sera sûrement sur le vlog prochain ou le suivant, je sais pas, j'ai du mal à travailler en ce moment, comme je vous l'ai dit. Je fais plein de choses mais je peins peu, donc je fais un peu tout le reste quoi, montage de vidéos, paperasse, colis. Je travaille mais je ne peins pas, j'arrive pas, bon à part les petits rondins que vous avez vus, j'arrive pas à avoir envie, C'est un peu ce qui m'arrive tout le temps quand je veux lancer des nouvelles pièces que j'ai jamais explorées encore, des nouvelles séries que j'ai jamais explorées. J'ai une espèce de trouille qui me bloque. Je répète tout le temps aux gens, lancez-vous, de toute façon, au pire des cas, si c'est raté, il n'y a que vous qui allez le savoir. Je l'applique, c'est bien pour ça que je teste plein de choses, comme vous avez pu le voir si vous suivez mon travail. Il y a des périodes comme ça où quand physiquement c'est pas la grande forme, quand l'ambiance générale est pas fofolle et que je dois lancer des nouvelles séries dans ce contexte-là, j'ai vachement mal. Voilà, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me lancer vraiment. J'ai fait des croquis, des choses comme ça, ça fait des semaines que mes idées sont fixées sur papier, mais je me lance pas, j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'envie, j'ai juste envie de faire autre chose que travailler. Ça dure quand même depuis le mois de janvier. On est en mars, donc ça serait bien que ça s'arrête un peu. Donc il faut vraiment que je me bouge. Et puis ça reviendra, hein, mais voilà, je suis dans une période qui est pas facile. Et j'ai vraiment envie de faire autre chose, quoi. Niveau santé, c'est pas fou non plus, comme je vous disais. J'ai des acouphènes là qui me gonflent depuis... Alors ça fait plus d'un mois que j'enchaîne les rhumes, et moi dès que je suis enrhumée, bim, ça y est, ça bouche les oreilles, et donc acouphène d'office. Mais ça passe, en général, au bout d'une semaine, quand mon rhume se finit, bof, c'est bon. Ça, je retrouve, disons, mes acouphènes d'un niveau normal que j'ai depuis plus de 20 ans, presque 25 ans. Ouais. Et d'habitude, ça redescend. Et là, depuis un mois, ça fait qu'augmenter. Et depuis 10 jours, c'est infernal. J'ai un espèce de bruit jour et nuit qui fait... Je vais essayer de vous le limiter. Alors là, ça a bien diminué aujourd'hui, donc c'est bien. Ça fait un espèce de... Et j'exagère pas le niveau sonore, ça fait un espèce de... Voilà. J'ai ça dans l'oreille non-stop. Alors comme c'est un bruit continu, j'arrive à l'occulter quand je suis occupée, j'arrive à dormir sans problème. C'est pas comme ceux que j'avais avant qui étaient à un rythme... C'était des bruits complètement aléatoires qui suivaient même pas mon rythme cardiaque. Donc c'était des rythmes qui m'empêchaient complètement de dormir, quoi. J'arrivais pas. Donc en plus j'avais les insomnies par-dessus. Là, j'ai zéro fatigue parce que je dors hyper bien malgré ça. Donc c'est cool, je touche du bois pour que ça empire pas. Je suis allée voir le médecin hier qui m'a prescrit des médicaments pour déboucher un petit peu tous les conduits et aussi un petit anti-inflammatoire parce que ça se peut qu'il y ait une petite inflammation au niveau de l'oreille. J'ai cette oreille-là qui est hyper sensible, quoi. Que ce soit bruit, froid, rhume, enfin tout, voilà, la moindre chose, tension dans le cou, la moindre chose, paf, j'ai des acouphènes dus à la petite tumeur qui est dans le conduit de l'oreille, enfin même pas dans le conduit, qui est dans l'oreille interne. Voilà, c'est pas très fun en ce moment.
Disons que ça me pompe mon énergie, en fait, c'est ça. Ça va bien, j'ai pas mal, c'est juste très pénible. Et j'y pense constamment, quoi. Donc forcément, j'ai du mal à travailler bien comme il faut et à me plonger dans ce que je dois faire. Voilà, donc c'est 5 minutes de blabla pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Et je pense, j'ose espérer que les médicaments vont faire de l'effet. Déjà ce matin, j'ai l'impression que ça va mieux. Pourtant, j'ai pris mon médoc que ce matin. J'ai que 3 jours d'anti-inflammatoire, donc peut-être que 3 jours suffiront. D'habitude, quand je suis devant l'ordi, la ventilation, oui, même j'ai la chaudière sous mes pieds dans la pièce en dessous, et normalement, ce bruit ambiant couvre un peu mes acouphènes. Donc quand je suis dans le bureau, je me rends pas compte de l'ampleur des dégâts. Mais on va voir. Mais j'ai quand même l'impression que c'est moins prenant. On verra. Allez, sur ce, je vous laisse, et puis pas d'inquiétude, hein, tout va bien. C'est juste que j'ai un peu de mal à me remettre. Voilà. Vous avez vu dans les images précédentes un petit cours particulier que je donne sur 3 séances à une personne qui suit habituellement mes ateliers en groupe et qui là avait besoin de sessions particulières pour l'aider, lui apprendre tout ce qui est ombre et lumière. Donc là vous avez vu une petite partie dessin pur, c'était le premier cours juste pour lui apprendre à poser les ombres, les lumières et comprendre comment ça marche selon les formes, la source lumineuse, etc. Et les cours d'après, on va passer à la couleur et mélanger un petit peu de collage aussi pour lui montrer plus précisément comment on peut se débrouiller avec les ombres et lumières quand il y a des collages et plein de couleurs différentes. Voilà. Tout ça pour vous dire que si jamais des cours particuliers vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter. Ça peut être des thématiques particulières comme là, les ombres et lumières, ou d'autres thématiques, d'autres points techniques qui vous bloquent. Ça peut être juste pour découvrir le mix média, ça peut être l'aquarelle aussi, enfin la technique que vous voulez. Ça peut être aussi pour vous guider dans la réalisation d'une peinture, d'une œuvre que vous voulez créer. Ça, je l'ai fait aussi plusieurs fois. Bref, c'est vraiment à la carte, on adapte selon vos envies, votre planning, la longueur des cours varie aussi selon vos envies, le nombre de cours aussi, bref, c'est vraiment selon votre besoin, voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, le plus facile c'est de me contacter via ma messagerie Instagram, c'est mieux. Et comme ça, je serai plus réactive pour en discuter. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'être revenu après ce presque mois d'absence. Et allez, motivation. Bisous, bisous.